à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo consacrée à l'élevage de rennes. Donc dans la précédente vidéo, on avait récupéré notre cadre d'élevage en sortie de starter, après 24 heures. Donc on va voir maintenant dans cette vidéo 6 ce qu'on va en faire de ce cadre-là. Alors comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, je n'aime pas que les abeilles soient privées de phéromones royales. Donc la suite de l'élevage se fait en ruche de production, donc en ruche avec une reine en ponte, une colonie, tout ce qu'il y a de plus normal. Alors pour ce faire, vous choisissez la colonie de votre rucher la plus populeuse, la plus forte, qui idéalement a une ou deux hausses sur le corps. Et on va continuer l'élevage dans les hausses. Alors voilà, ça c'est théorique, hein, je ne vais pas aller dans les ruches maintenant, on est au mois de novembre. Vous imaginez le corps de ruche, une grille à rennes dessus et vos deux hausses remplies d'abeilles, de miel, tout ce que vous voulez. Et donc on va venir taper le cadre d'élevage avec les cupules qui ont été prises en charge par les abeilles dans le starter. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la hausse du dessus et on va tirer trois cadres au milieu de la première hausse. Pour bien faire, on enlève les cadres qui ne sont pas pleins de miel, donc on peut enlever ceux de rive et remettre tout sur le côté. Alors on fait pareil dans la hausse du haut, on enlève les cadres au même endroit et on vient la replacer au-dessus. Donc on voit ici qu'on a maintenant l'espace pour mettre des cadres de corps dans les deux hausses. À chaque extrémité, on va mettre un cadre de couvain ouvert qu'on a été chercher dans la ruche, dans le corps de ruche, dans la ruche éleveuse ou dans une autre ruche, ça n'a pas d'importance. Si vous allez prendre les cadres de couvain dans la ruche même, vous pouvez les remplacer par des cadres à construire. Ça occupera les cirières et ça évitera les fausses bâtisses sur le cadre d'élevage. Donc à quoi servent ces deux cadres ici de couvain ouvert? Ça sert à faire monter les nourrices dans les hausses. Parce que normalement il n'y a que des magasinières et les ventileuses dans les hausses. Donc en mettant deux cadres avec des œufs ou des très jeunes larves, on va faire monter toutes les nourrices qui vont prendre en charge le cadre d'élevage que l'on va y mettre entre les deux cadres de couvert ouvert. Voilà. Et là, c'est fini. Même en présence de rennes, évidemment la reine est dans le corps et pas dans les hausses, il faut absolument que la reine ne monte pas dans les hausses. Si elle monte dans les hausses, c'est foutu, elle va détruire tout l'élevage royal. Donc ici, voilà, les deux cadres de couvert ouvert et le cadre d'élevage en plein milieu. Hein. Donc les abeilles vont venir du corps pour prendre en charge tout ce qui est couvain sur ces deux cadres-ci. Et en même temps, prendront en charge les cupules en larvée qui viennent du starter. Alors oui, les détracteurs de l'élevage de rennes disent souvent que c'est des rennes de moins bonne qualité parce que c'est de la sauveté pure. Ouais, ça c'est vrai, dans une ruche qui est orpheline, c'est exact, c'est de la sauveté. Mais ici, vu qu'on élève en présence de phéromones royales, on pourrait plus imaginer que c'est un élevage d'essaimage plutôt, hein, donc qu'on ne vienne pas me dire que les rennes ne seront pas de bonne qualité avec ce système-ci. Donc c'est élevé en présence de phéromones royales, donc en théorie, voilà, ça doit être de la bonne reine. Ce montage-là va rester en place jusqu'à l'operculation des cellules royales. À l'operculation, on mettra les bigoudis, ça je vous le montrerai dans une vidéo d'archives que j'ai mis de côté. Et alors ça restera comme ça dans cette ruche-ci jusqu'à la mise, jusqu'à l'introduction des cellules en mini plus. Oui, petite précision, si votre élevage coïncide avec un jour de visite de vos ruches pour casser les cellules, pour prévenir l'essaimage, essayez de bien localiser la ruche dans laquelle vous faites votre élevage royal. Ça m'arrive chaque année, cette connerie-là, j'y pense pas, je suis dans le feu de l'action, j'arrive, j'enlève la première hausse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça tient, je tire comme un fou et je pense plus qu'il y a les cadres qui font en fait toute la hauteur. Donc sur ces colonies-là,
il faut enlever les deux os à la fois. Tant pis s'il y a beaucoup de miel dedans, ce sera lourd. Voilà, c'est la seule solution. Il faut tout enlever, tout le montage, le mettre sur le côté et alors visiter le corps. Alors moi, pour éviter que ça ne m'arrive, cette connerie-là, ce que je fais, c'est que sur les deux os, je les tag, je fais un gros sigle attention. Comme ça, quand je visite mes ruches, quand j'arrive à celle-ci, je sais bien que je ne dois pas tirer la première os comme sur les autres. Hein, je dois enlever tout le bloc. Voilà, j'espère que vous avez un peu compris le principe. C'est fort théorique, mais je vous referai une vidéo en situation quand ce sera la saison l'année prochaine. Hein. Ça, il faut pas vous en faire pour ça. Alors, après 5 jours dans la colonie éleveuse, les cellules royales sont operculées. À ce moment-là, on peut mettre les bigoudis de protection. Alors, ces bigoudis ont deux rôles essentiels. Le premier, c'est d'éviter que les cellules soient détruites par une reine, que ce soit une reine qui serait passée la grille à reine ou une cellule qui éclorerait avant les autres, mais ça ne m'est jamais arrivé. C'est pour ça que dans le picking, il faut prendre des larves vraiment du même âge, comme ça on n'a pas de naissance prématurée. Et la deuxième utilité des bigoudis, c'est d'éviter que les abeilles construisent des fausses bâtisses, comme on voit là. En forte miellée, les cirières, elles construisent en tout espace libre. Et quand elles construisent dans les cellules, voilà ce qui arrive. Ça, c'est une série qui est vraiment, vraiment pas belle du tout. Les abeilles construisent sur les cellules. Et du coup, il n'y a plus moyen de mettre les bigoudis parce que les cellules sont trop grosses. Donc il faut faire de la dentelle avec une paire de ciseaux chauffés. Et franchement, ça c'est une perte de temps. Il y a un gros risque d'abîmer la cellule. Donc voilà, pour éviter les fausses bâtisses, donc les bigoudis, même sur les cellules qui n'ont pas été étirées, ça évite les abeilles d'être tentées de construire. Et alors mettre des cadres à construire dans le corps de ruche pour occuper les cirières. Voilà, là on voit je découpe avec ma petite paire de ciseaux. Bah, franchement ça je ne... Ça arrive encore, hein, ça arrive encore qu'il y ait en grosse miellée que les abeilles construisent. Mais... Et comme on choisit la colonie la plus forte de son rucher pour faire l'élevage, ça arrive quand même régulièrement qu'on ait des fausses bâtisses. Mais bon, en mettant des cadres à construire, on limite quand même très fort le phénomène. Et ça permet quand même de limiter les dégâts. Mais il faut mettre les bigoudis, parce que si on laisse traîner les cellules comme ça, c'est certain que ça va construire partout, et là les cellules seront perdues. Entre le 7e et 9e jour après le picking, il faut absolument éviter tout choc aux cellules royales. Hein. Donc là, je réinsiste de bien identifier votre ruche éleveuse, pour éviter de venir essayer d'enlever les os en oubliant que vous avez vos cadres d'élevage dedans, et faire des chocs. Il faut savoir que la nymphe à ce moment-là est pendue par un petit fil de soie dans la cellule et au moindre choc le fil de soie se casse et la nymphe tombe dans le fond de la cellule et elle est condamnée, là elle meurt, l'élevage est foutu. Donc là j'insiste, bien attention, bien identifier votre ruche éleveuse. À J+10 après le picking, là on va introduire les cellules, c'est la veille de l'éclosion de la reine, on va introduire les cellules dans les nucléides de fécondation. Avec le système d'élevage Nico, ils ont prévu toute une série de petits ustensiles qui franchement sont bien pratiques. Donc moi mes cellules, je les récupère, je les mets dans un protège-cellule qui permet de manipuler vos cellules royales de manière plus sécuritaire et qui permet aussi d'éviter que les abeilles viennent ronger la cellule quand vous l'introduirez dans votre nucléi. Alors on voit que la pointe de la cellule dépasse du protège-cellule. C'est par là que la reine va sortir, donc elle va tailler un petit opercule au moment de l'éclosion et sortir par ce trou là, donc il faut bien positionner la cellule dans le porte-cellule. Là j'introduis la cellule dans le nucléi. Pour la constitution des nucléi et leur gestion, je vous ferai une vidéo en saison parce que là j'ai pas le matériel, j'ai pas les vidéos d'archives pour vous faire quelque chose qui tienne la route. Ça va être trop théorique, donc je vous referai ça promis quand je ferai mon premier élevage en 2018. Voilà, ici on voit la cellule en place, on referme le nucléi, et normalement la reine éclot le lendemain. Après 2 jours, on peut venir vérifier si la cellule a éclos,
Il suffit ça de juste ouvrir et enlever le porte-cellule, et on voit là que l'opercule a été taillé par la reine et que la reine vierge se promène dans le nucléi. On laisse ça comme ça en attendant les vols de fécondation qui ont lieu entre le 16 et le 24e jour après le picking en fonction de la météo. Alors là, on est presque un mois après le picking. On va vérifier la présence de la reine et peut-être déjà les premiers œufs. Donc là, voilà, on l'a trouvé. Voilà, la reine, elle a déjà bien grosse, l'abdomen a bien grossi, ce qui veut dire qu'elle est certainement fécondée et en ponte. Et là, si on regarde bien, on voit les petits œufs dans le fond des cellules. Ce qui est déjà très bon signe. Voilà, ici on voit très bien les œufs dans le fond des cellules, comme des petits grains de riz blancs. Alors, quelques jours après, on pourra évaluer le couvain, sa qualité. Déjà voir si les opercules sont bombés comme si c'était des cellules de fond bourdon. Dans ce cas, la reine serait mauvaise, évidemment, elle serait mal fécondée. Ici, c'est des cellules d'ouvrières, donc il n'y a pas de souci. Et on vérifiera aussi encore un peu plus tard s'il n'y a pas de lacunes. Donc ici, c'est un cadre parfait. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur l'élevage de rennes. Je vais terminer par deux petites astuces que j'ai. Première, c'est concernant le transport des cellules. Il faut savoir que moi, je ne féconde pas dans mes ruchers ici au village. Je les féconde dans un endroit saturé en mâle buckfast, à 30 km de chez moi. Donc mes mini-plus sont là en saison. Donc à chaque picking, le jour de l'introduction, je transporte les cellules jusqu'à mon rucher de fécondation. Donc pour ça, j'ai fait une petite boîte en frigolite. J'y ai mis un faux fond perforé, donc à mi-hauteur de la boîte. Et je vais venir y mettre délicatement mes protège-cellules avec la cellule royale dedans. Voilà. Je les mets là, toutes mes cellules. Puis ici, je viens tout bloquer avec un petit mousse pour éviter les chocs. Bien caler toutes les cellules. Je remets le couvercle et là, je peux voyager avec pendant facilement quelques heures. Il n'y a aucun souci. Il faut juste éviter de laisser la boîte en plein soleil dans la voiture. Normalement, le froid en période d'élevage, il n'y a pas de souci. Voilà, deuxième petite astuce, ben, c'est mon fichier d'élevage, c'est un fichier Excel qui permet de s'y retrouver dans les dates clés, de ne rien oublier. C'est bien pratique quand on a plusieurs séries en parallèle avec des dates différentes. Alors il suffit pour ça d'introduire la date de greffage. Donc là, votre date de picking, là j'ai mis, je vais vous montrer, j'ai mis la date du jour, donc le 5 novembre 2017. Et le fichier recalcule automatiquement les dates, donc dans la colonne de gauche, avec toutes les étapes clés. Donc le greffage se met au 5 novembre. Ensuite, vérification de l'acceptation après le starter. Passage en couveuse. Les périodes critiques pendant laquelle il ne faut pas donner de choc aux cellules. Voilà l'introduction, vérification de la ponte. Voilà. Je vous mets le lien de téléchargement de ce fichier Excel dans la description de la vidéo. Voilà, c'est cadeau. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, on fera des vidéos en situation pendant la saison. Hein. Ce sera quand même plus parlant que de la théorie pure, comme dans les deux dernières vidéos. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Salut, ciao, ciao, à bientôt!
Thank you.